Bon allez, un petit peu avant d'arrêter. Tu vas tellement les larguer! Champion du monde! Thank you.
Salut Turco, salut Robaz. Mais ça va encore, les courses de voiture, ça va, les courses de voiture, ça va. Mais par contre, ce que je redoute, c'est les courses de bateau, les courses de d'avion. Ça, par contre, les courses d'avion, je les dépense pas, ça, par contre. Ça... Enfin, si je les dépense, c'est bon. Je les défonce, mais bon. Je fais pas trop mon malin, on va dire. Je fais pas trop mon malin. Je fais pas trop mon malin. Oh putain. Alors là où je maîtrise, ou là où je les défonce pas du tout, c'est ça quoi. Laisse tomber, le drift, c'est pour les pilotes sérieux. Sans l'odeur de la gomme brûlée, je sais que tout va bien se passer. Thank you.
Voilà, super! Tio a aucune chance contre toi. Il paraît que t'es sur la liste. Les 10 000. Je suis pas si nul que ça parce que j'ai réussi. De toute façon, un drift, j'aime pas. Donc. Je déteste le drift. J'ai une chèvre. Meilleur du pays, c'est un bon point pour toi, ça. Mais tu sais quoi? Je vais pouvoir t'humilier maintenant. Parce que. Si tu crois que tu vas pouvoir prendre ma place, c'est mort, t'entends? C'est mort. Three, two, one.
Regardez-moi ça, les gars! On est premiers! Alors, docteur Dill, non, pas docteur. Dill, suis-je toujours une chèvre?
concentré. Bienvenue en tête. C'est là que je veux te voir. T'essaies de battre le record de Sophia et tu sais comment elle pilote. Alors prépare-toi à tout donner et à pousser ce monstre au maximum. Et puis, quand t'auras fini, tu pourras toujours te régaler avec un homard de la région pour le dîner, hein? Ton camion, là, c'est un gros jouet. Alors amuse-toi bien avec. T'es une pro du Monster Truck. T'es un monstre.
Voyons un peu ce qu'elle a dans le ventre. Oula. T'es au top là, c'est ça ta place. C'est en haut. Plus vite. Je savais que j'avais bien fait de te choisir.
J'ai vu que dans le gratuit, il y a juste cause 4. Bah j'y ai joué moi. J'y ai joué à juste cause 4. J'y ai joué. Bah moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Si t'aimes bien tout ce qui est démolition, etc. C'est... Je pense que tu peux aimer. Je pense que tu peux aimer. Mais c'est bien, c'est... Enfin, c'est bien. On va dire que... enfin, c'est bien. Enfin, quand je sais bien. On va dire que... niveau cinématique, etc. Le 3 était mieux. Niveau cinématique. Je trouve que le 4 ils se sont pas trop foulés niveau cinématique, mais sinon paysage et tout c'est bien. C'est le seul reproche que j'ai à faire, au Just Cause 4, c'est que cinématique comparé au 3 c'est bof, c'est vraiment très bof, très très bof. Mais sinon au niveau du jeu lui-même il est bien. T'as des, je crois si j'ai pas de mémoire, t'as des trucs à détruire, etc. Mais hormis les cinématiques qui pour moi sont pas aussi bien faites que le 3, hormis les cinématiques, le jeu est bien. Tu dois détruire des comment dire, tu dois détruire des. Par rapport au 3 par contre, tu dois pas détruire des bases entières. Comme le 3. T'as des missions, par exemple, où tu vas devoir, où tu vas devoir, par exemple, trouver une voiture piégée, dans un port. Tu la trouves, hop, tu la fonces dans le lac et puis, boum, ça explose. C'est bien. C'est bien. En plus, c'est gratuit, donc, voilà. Donc, t'as rien à perdre, au pire. Si le jeu te plaît pas, bon bah. T'as pas de. Tu risques pas grand chose. À part d'être déçu, mais sinon. Moi, le seul truc qui me déçoit, c'est ça. Et ce qui m'a déçu aussi, c'est pour le DLC. Mais bon, après c'est mon avis à moi, attention. Je trouve que les DLC, je l'avais acheté avec le DLC, je sais plus quoi. Je l'avais acheté avec le Season Pass. Et sincèrement, enfin, pour moi, je précise bien, pour moi, je parle pour moi. Pour moi, le DLC, il m'a pas plu. Non, ça m'a pas plu. Mais sinon, le jeu lui-même. Hein? Oui voilà, mais c'est ce que j'avais pris. Mais le jeu en lui-même sinon, mais le jeu en global je te parle, hein, en global. Hein. Sans parler du DLC qui moi ne m'avait plu. Le jeu en global sinon, bon, hormis la cinématique qui est pas, bon, tu verras par toi-même, qui franchement tu vois très nettement qu'ils sont pas appliqués, qu'ils l'ont plus bâclé qu'autre chose, enfin moi je trouve qu'ils l'ont bâclé. Par rapport au 3, parce que le 3 il était magnifique, le 3 était magnifique, aussi bien cinématique, aussi bien, enfin, c'était magnifique quoi. Bah, hormis ces petits problèmes, enfin, problèmes, hormis ces, bon, hein, mais sinon le jeu lui-même il est bien, sinon je en lui-même il est bien. Enfin, tu verras si tu le prends, tu verras, mais bon, je pense que tu seras pas déçu, je pense. Bah, comme je dis, hein, on a déjà fait la course sur ces circuits. Comme je dis, hein, avec le temps, ça devient flou.
comme je sais pas si toi ça va te plaire, je sais pas. Mais peut-être, hein, peut-être. Hein. Ça va peut-être te plaire, hein, peut-être que... Peut-être, hein. Peut-être que je vais te plaire, je sais pas. Hein. Mais... Voilà. En tous les cas, si le jeu te plaît, je me rappelle que moi, pour la durée du jeu, par contre, il est long. Hein. Il est long. Parce que le jeu... Le jeu, par contre, il est long hein, à faire. Parce que si tu veux vraiment tout faire, tu vas voir que le jeu, il est très très long, le jeu. Il est aussi long que le 3. Je dirais pas plus long que le 3, mais aussi long que le 3. Aussi long. Parce que t'as les défis aussi à faire, t'as les défis. Comme il y avait sur le 3. Sauf que sur celui-là, heureusement, ils ont pas mis le widget, le machin. T'as des défis aussi à faire en parachute. Par exemple, de passer des cercles avec ton parachute. Par contre, sur celui-là, comparé aux 3, il faut que ce soit toi qui te démerde avec ton parachute pour prendre l'altitude en hauteur pour que tu puisses passer les cercles. Sur le 3, t'avais un hélicoptère qui te montait dans le ciel et puis que t'avais un hélico qui te faisait monter là-haut, puis après toi avec ton dessus tu passais les cercles. Bah sur le 4, non. Faut que ce soit vraiment toi qui te démerde. On va dire que la première fois, bon. On va dire que la première fois quand tu vois, tu dis mais. Au début la première fois tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce machin, comment on fait? Mais une fois que t'en as fait un, t'as compris. C'est pas évident, parce que moi la première fois j'ai pas trop compris comment il fallait faire. Mais après t'as la croix après. Parce qu'en fait sur celui-là, tu as le parachute que tu as sur toi, puis tu as une espèce de grappin qui te fait que quand tu lances le grappin, il t'accroche il accroche le mur qui est devant toi et comme ça, ça te fait un hop ça. Ah bah il s'appelle c'est Rico Pérez. C'est le même personnage. Et en fait sur le 4, t'as le parachute et puis t'as une espèce de grappin. Un grappin ou un harnais ou je sais pas. Et ça comme ça. Et en fait c'est grâce à ça que tu peux prendre de la hauteur et. Et c'est grâce au harnais que tu lances machin pour qu'il va te faire aller sur la montagne et hop, qu'il va te monter au ciel. Et c'est en faisant ça justement que tu peux faire les défis où il faut que tu passes les cercles avec ton parachute et pas avec le widget ou le je sais pas quoi. Ah, tu verras. T'as aussi des sortes de défis avec des véhicules. Alors bon, bah c'est pareil, les véhicules, il y a des endroits où soit il faut que tu les cherches, ou Spider-Man, ouais, ou Seth. Enfin, dans l'idée, oui, dans l'idée.
Dans l'idée, ça fait comme Spider-Man, lui. Ça fait psh, 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 comme ça. Sauf que Spider-Man, lui, il lance, il lance sa toile sur les bâtiments pour. Parce que là, c'est vraiment le, c'est vraiment tu lances ton grappin, ton espèce de grappin, et ça te fait aller sur le bas, par terre ou sur la montagne, et ça te et ça te fait aller sur la montagne carrément. Tandis que Spider-Man, lui, quand il lance sa toile, c'est pour se balancer. Il fait ça pour se balancer, lui. Tandis que le système de grappin que je t'explique, moi, que je t'ai expliqué, ça te fait aller sur la montagne. Et avec la force de. Comme ça, que tu avances comme ça. Et avec la force, tu marches au bon moment, puis tu voles, quoi. Voilà. Mais. Je crois que sur le jeu, au début, il t'explique. Et tu. Comme ça. Puis t'as aussi des trucs à débloquer aussi. T'as aussi des. Ton fameux grappin, il t'aide, par exemple, à faire voler des voitures. T'as même des défis où, par exemple, des voitures, faut que tu mettes des grappins de la sorte que la voiture. Elle grimpe parce que tu as des cercles. Alors au début tu verras, tu as des cercles où il faut que tu passes avec un véhicule spécifique. Mais tu as des cercles qui sont en l'air, au ciel, qui sont dans le ciel. Et en fait, c'est là où c'est dur, et c'est là où moi j'ai réussi, mais bon voilà. En fait, il faut que tu mettes ton parce que tu as des espèces de tu as des espèces de petites parades. De petits, mais de tout petits parachutes, enfin de parachutes, ou je sais pas comment on appelle ça, tu mets ça sur la voiture, et en fait ça fait monter ta voiture, ça la fait monter ou descendre, et tu peux choisir aussi à quelle vitesse que la voiture monte. Alors, on pourrait croire que si la voiture passe, que c'est bon que le défi gagne, non, il faut que tu sois dans la voiture. Il faut que tu sois dans la voiture. Alors, soit tu mets les trucs qui font monter la voiture en l'air, et toi tu rentres dans la voiture, puis tu l'actives, hop, ça monte. Alors, soit tu as de la chance, et la voiture, elle passe dans le cercle, et les filles gagnent, ou alors tu as beaucoup moins de chance, ou la voiture, elle monte, mais elle passe pas le cercle, et là, ou tu lâches tout. Dans la voiture, tu t'arrêtes tout, et là, la voiture, elle tombe. Et là, pile poil à tomber dans le cercle et t'as gagné. Enfin bref, toujours utile qu'il faut que tu sois dans la voiture. Il faut pas que tu mettes les machins dans le but, puis après, non, il faut que tu sois dans la voiture. Pour que le défi soit compté. Ah, tu verras. Puis t'as ça, et puis t'as quoi encore, t'as... Bref. Et je vais pas tout dire quand même. tu vas voir. Ah, t'as pris la One X. Bah très bien. Bon, en plus, t'as pris la One X, en plus. Bah tu sais que moi, la One X, J'ai bien failli pas pouvoir m'acheter. Ça s'est joué à...
ça s'est joué à pas grand chose. J'ai bien failli ne pas pouvoir me lâcher. Bah, tu sais, 500 euros, c'est une somme, hein. C'est une somme. Tu sais, quand tu fais tes comptes, que tu... Tu sais, quand tu fais tes comptes chez toi... Quand tu fais tes comptes chez toi, que tu comptes, tu dis ça va te coûter tant, puis que parce que moi ce qui s'est passé, c'est qu'avant j'avais la One tout court, et moi la One au début, moi ce que je voulais c'était la revendre à mes compagnons, et moi j'avais prévu, parce que j'avais tout prévu, qu'ils me la prennent à 200 euros. J'avais payé, j'en avais payé 50 euros aussi pour qu'il me la mette de côté à Onyx. Donc j'arrive là-bas à Micromania, je leur donne la One avec tout ce qui va avec. Le mec il prend la One, il a tout machin, puis il me dit désolé, on peut pas vous la reprendre. Puis moi je dis salut Steven. Et puis moi je dis mais comment ça vous pouvez pas me la prendre? Et le mec il me dit ah mais vous l'avez ouvert. Puis je regarde, je fais comment ça je l'ai ouvert? Ah ouais vous l'avez ouverte. Je fais bah non je l'ai pas ouverte non. Quand j'y joue je la mets sur le même dans ma chambre. J'y touche jamais machin. Ah si vous l'avez ouvert. Et tu sais pourquoi? Parce que sur la console, t'as une espèce d'autocollant de Microsoft. C'est un autocollant qu'ils mettent sur tout ce que soit PC ou machin. Et c'est cet autocollant-là, tout ça parce que qu'il était décollé. Tout ça parce que cet autocollant était décollé. Ils m'ont pas repris. Ils ont pas voulu me la prendre. Et donc, quand ils ont pas voulu me la prendre, c'est pour ça que je dis que j'étais à ça de pas pouvoir me la prendre. C'est parce que financièrement, je suis pareil comme Crédus. Hein. Je suis pareil comme Crédus. Et donc j'étais à ça. J'étais à ça de pas pouvoir me la prendre. Parce que financièrement, j'étais. Et donc bah voilà quoi. Et quand tu fais tes comptes chez toi, que tu prévois une somme, que tu le déduis de la somme de la console, normalement j'aurais dû les payer dans les 300 euros, normalement. C'est la somme que moi j'avais prévue. Mais comme ils n'ont pas voulu me la prendre, alors je l'ai payé 450 euros quoi. Alors heureusement que bon, voilà, mais... Voilà. Donc c'est pour ça que je sais que c'est pas grand chose. Heureusement que j'avais prévu le coup de pas faire trop de dépenses avancées, de faire en sorte que je puisse. Heureusement que j'avais prévu, hein, parce que. Mais crois-moi Roro, tu vas pas le regretter. Parce que moi, je veux dire, quand t'as la One X entre les mains, je peux dire que la console là, qui va sortir à la fin de l'année, là, la console Projet X ou je sais pas quoi, bah tu vois, à mes vues que la One X, que j'ai failli pas pouvoir me l'acheter, leur Projet X, là, je sais pas quoi, tu vois, à mon avis, hein, je pense que, vu que ça va être pour la 4K, voilà, Scarlett Projet X, vu que ça va être pour la 4K
ou pour la 8K ou pour la je sais pas quoi, je pense que moi, cette console-là, je vais pas la prendre. Voilà. Enfin, je vais attendre ce qu'ils vont en dire, etc. Je vais attendre ce qu'ils vont dire. Et je pense que la One X, elle est très bien comme elle est. Les jeux, bon, tu vas le voir par toi-même, graphiquement, ça tient encore la route. Voilà. Je pense que ceux qui avaient la One, comme moi j'ai vu la One, non, ils te forcent rien, ils te forcent rien. Amène la console Scarlett Projet X. À mon avis, moi, ça va être une console que pour ceux qui ont la 4K. Ça va être fait que pour ça. Que pour ceux qui ont la 4K. Ceux qui ont comme moi, qui ont une simple télé HD, ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Par contre, parce que cette console-là, elle va être conçue pour ça. Parce que la One X, soi-disant qu'à la base, elle était pensée pour ceux qui avaient des télé 4K. Mais... Par contre, la projet Scarlett X, par contre, elle sera vraiment faite pour la 4K. Et comme moi, j'ai pas la 4K, et que j'ai pas l'intention, et que j'ai pas vraiment l'intention de m'acheter une télé 4K, et que j'ai pas envie de m'en acheter, j'ai pas vraiment envie de m'acheter une télé 4K. Donc voilà. Donc problème réglé. Problème réglé. Mais bon, comme je dis, je vais attendre. Je vais attendre de voir ce qu'ils en disent. Et on verra bien quoi. Moi je vais dire en toute honnêteté, le jour où je passerai à la 4K, c'est le jour où le gouvernement, ou notre cher gouvernement, où notre cher gouvernement nous obligeront à passer en 4K. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec la TNT. Ils nous ont obligés de s'acheter. Ils nous ont obligés à acheter une télé. Des télés HD et machin pour la 4K. C'est comme ça qu'ils nous ont obligés à passer à 4K. Et bah, le jour où je passerai à la 4K, c'est quand notre cher gouvernement nous obligera. À passer en 4K. Là, peut-être que... Mais encore, c'est pas sûr. Thank you.
Et le jour où notre cher gouvernement nous obligera à regarder la télé avec une télé 4K, peut-être que là, si notre gouvernement nous aide financièrement, je précise bien financièrement, pour que tout le monde puisse s'acheter une télé 4K, là, ok, on avisera. Mais tant que ce jour-là il n'est pas encore arrivé, et je pense que voilà, donc tu comprends, moi, voilà. Ah oui, mais ça c'est sûr, c'est pas gagné. Mais moi, non, moi je... De toute façon, un 4K, ils peuvent pas nous obliger à passer en 4K de toute façon. Ils peuvent pas nous obliger. Ils peuvent pas nous obliger de toute façon. Monster Truck, défi 80%. Je sais pas si c'est en 5%. Pour Racine, 100%, 100%, 91. Ah ouf, c'est fini ça. Ouf. Ouais, ça, c'est fini. Ouais, ça aussi, c'est pas fini. Bon, c'est pas que je m'ennuie, Roro, mais je vais te laisser parce que il est minuit 16 et je vais me coucher. J'arrête là. Bon ben, Roro, hein, bonne soirée, ou devrais-je dire bonne nuit? Et puis, si j'ai pu te renseigner sur... Juste Cause 4, j'en suis content. Tu verras que, bon, hormis les trucs que je t'ai expliqué, bon, hormis ces petits détails-là, c'est... Voilà. On va dire que ça s'est joué. Voilà. On va dire qu'il s'est joué. Voilà. Il s'est joué. Et pourtant moi je suis très difficile. Je suis très très difficile niveau jeu. Mais franchement, celui-là, voilà. Sincèrement, il s'est joué. Voilà. Il s'est joué. Bon allez, bonne soirée, bonne nuit, bon film, et puis voilà, et puis à plus tard, hein. À plus tard, Roro.